Les archives sont enfouies à la pointe nord des sables désolés. C'est là que nous trouvons mon corps, ainsi que la pierre d'âme noire. Ah, je me doute. Mensonge. Nous savons tous les deux que vous nous trahirez à la première occasion. Voici l'entrée de mes archives. Laissez-moi activer le portail. Je suis prêt à lire les mots-clés. Je vais tourner la page. Oh, c'est étrange. Ce ne sont que des mots simples, mais je ne les avais jamais associés ainsi. Oh, je vois tout. De l'eau sur une feuille d'arbre. Une cabane en feu. La lueur dans les yeux de ma mère. Ah ! Mais que ça cesse ! Je... Tout ralentit à présent. Oh ! Non ! Oh ! Non ! J'étais un jeune homme. Un soldat prometteur de l'armée de Westmarch. L'ordre m'a recruté. Ils m'ont menti. Ils m'ont accablé de péchés factices. À votre avis, pour quelle raison ont-ils fait ça? Je ne sais pas. Mais je suis sûr que c'est la raison pour laquelle Jondar s'est détourné de l'ordre. L'idiot. Le grand maître ne sait pas ce qu'ont fait ces inquisiteurs. C'est impensable. Quand je rapporterai les écrits, il les punira pour leurs péchés. Laissez-moi, s'il vous plaît. Je dois réfléchir à tout ça. Alors, attendez. Petite posté. C'est parti mon kiki, retour au jeu. Tout cela, je l'ai construit pour mes recherches et mes expériences. Eh ben... Créer la pierre d'âme noire ne fut pas chose aisée. J'ai beaucoup sacrifié pour la façonner. Empereur Akan ? Oh là là, c'est bizarre tout ça. Tout le monde est là. Parfait.
Je suis venu vous dire que j'ai trouvé Belial et que je suis prêt à vous conduire à lui. Alors prenons la pierre d'âme noire et allons tuer Belial. Tout cela est bien joli. Mais je dois d'abord être reconstitué. Nous allons tenir notre engagement. N'oubliez pas le vôtre. Lui, il est louche quand même. Avez-vous découvert l'identité de Belial ? Oui, mais nous devons être très prudents. Il a remarqué vos agissements et il s'inquiète de plus en plus. Concentrez vos efforts sur la pierre d'âme. Nous pourrons démasquer Belial ensuite. Je trouve louche quand même ce petit bonhomme. Waouh, c'est joli. Derrière ces portails se trouvent deux reliques, autrefois alimentées par la puissance de mon sang. Prenez les fioles que vous avez récupérées et allez les réactiver. Je vais rester ici pour préparer le rituel. Faites attention à vous. Même avec tout ce qu'on a découvert sur Cool, je n'aurais jamais imaginé tout ça. Peut-être qu'Adria a raison au sujet de la pierre d'âme noire. Vous doutiez de moi. Quelle déception. Mais je sais que tu vas me la mettre à l'envers, Cool. Les anges ne valent pas mieux que les démons. Allez, ça y est. Saviez-vous qu'ils avaient jadis voté l'élimination de l'humanité ? Seul un vote nous a sauvés de l'extinction. Tyrael. C'est lui de Tyrael. Oui. Quoi qu'il soit d'autre, il est l'aspect de la justice. Et il n'y a aucune justice au génocide. Eh oui. Les secrets des pierres d'âme que Tyrael confia jadis aux Oradrim. Elles sont une création, certes impressionnante, mais je suis sûr qu'elles peuvent être reproduites. Non pas simplement reproduites, mais améliorées. Ma pierre d'âme sera façonnée pour accueillir les âmes de nombreux démons, voire celles d'anges. Oui, c'est taille. En fait, il a la haine, parce que du coup, comme les anges avaient voté la destruction de l'humanité, il a un peu envie de se venger, je le sens. Bon, est-ce que du coup, il protégerait Tyrael ? Parce que Tyrael a quand même voté pour la survie de l'humanité. C'est bien que non, mais... Vous et Lyndon, vous vous disputez souvent, non ? Nos motivations sont opposées et irréconciliables. Je suis motivé par l'honneur et l'altruisme. Lui n'est motivé que par la bourse qui pend à sa ceinture, et celle qui se trouve en dessous. Il a fini ma phrase.
prêt ta croisade. Manque de colère. J'aime pas ces merdes. Ce n'est pas prêt. Voilà, j'ai balancé la sauce. Hein. Mais merde, et ben non. J'ai cru que j'avais perdu de la vie. Ah, pas mal. Ah, bien. On dirait plus par là, tu vois. Et de l'autre côté en fait. Cet adversaire ne me dit rien qui vaille. J'aurais pu aider tous les hommes à redevenir des Néphalem. Et un âge d'or aurait alors commencé. Mais mes frères Oradrim n'étaient pas prêts à accepter le vrai destin de l'humanité. Aïe, 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 cul, quel sombre chemin as-tu suivi. C'est fait aveugler par le pouvoir, ce brave cul. Du coup, on peut comprendre beaucoup de choses. Ah. Les Oradrim n'avaient plus grand chose à faire que de lui découper. C'est très chaud. Petit solo. Ah, la BO est extraordinaire. De dire autre chose, quoi. La machine, c'est elle. Nous serrons les portes des ombres avec son sang, que nous cacherons ensuite dans le désert, sous une garde éternelle. Je ne peux qu'espérer que le monde n'oublie pas le mal dont il est capable, et que son sang reste loin de tous, sous les sables changeants. Ah écoute, on en a besoin. Ça me gratte. Désolé. On gratte la cuisse. Ok.
Bon, bien. Bien, bien, bien. Putain, ça va faire boum. Détermination, mon ami. Qu'est-ce que vous voulez dire? Nous avons combattu d'innombrables créatures. Oh, par contre, ce genre de phrases reviennent assez souvent. Et malgré cela, votre vigilance ne faiblit pas. Vous êtes un vrai héros. Pas de dégâts les commandants. Rien n'arrête la croisade. Daibora, c'est pour le moine. Cette colère pour ça. Cela ne s'ouvrira pas. Que la lumière vous condamne. C'est verrouillé.
Je dois rentrer. Pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas le loot de l'année, mais c'est pas mal. Oula, pourquoi Adria a une petite... Ah, ils veulent tous parler, là. On dit, ah putain, je crois qu'on fait une connerie, mec. Merde. Que se passe-t-il? Dites-moi. Comment êtes-vous arrivé à Tristram? Vous savez, je me posais la même question. C'était une idée de Mira. Je me demande si elle avait une vision et savait qu'il faudrait que je sois là-bas pour vous aider. Tout ça, est-ce qu'elle savait que ça allait arriver? Nous ne le saurons jamais. L'important, c'est que vous ayez trouvé une cause. Vous avez peut-être raison. J'ai du travail. Parle pas beaucoup, lui, hein. Ah, elle parle plus. Maintenant que je sais que je me suis foutu de sa gueule, de son poème. Léa devient puissante. Le pouvoir a toujours été en elle. Aujourd'hui, elle apprend à le contrôler. C'est parce qu'elle est votre fille? Je ne sais pas d'où il vient. J'ai passé toute ma vie à étudier les secrets de la magie, mais je n'ai jamais eu de telle facilité. Hé, monsieur, j'ai quelques nouveautés. Vous devriez venir voir. Je n'aime pas ce que ce Zoltun va vous faire. Je vous avais dit qu'il ne fallait pas lui faire confiance. Vous êtes obligé de faire tant de mystères. Dites-moi ce qu'il va faire. Sinon, à quoi servent vos visions? Un jour, j'ai changé l'avenir pour sauver quelqu'un. J'ai fini par causer la mort de 3 personnes. Je vous ai dit tout ce que je pouvais vous dire. Je vous le promets. Super. Bon, Shane, toi, t'aimes bien parler, toi. Vous me regardez vraiment bizarrement. Je sens que toi aussi, tu vas me baiser. Vous êtes un dieu? Qu'est-ce que ça veut dire exactement, dieu? Vous éludez la question. Éludez la question? Pourquoi dites-vous ça? Parce que vous répondez à chaque question par une autre question. Je fais vraiment ça? Oh. Ok. Une lame gothique. Oh. Devant le Zakaoum. Je prends. C'est la première fois que vous venez au Kedjistan? Oui. J'ai rarement dépassé les frontières de l'Ouest-Marche dans ma jeunesse. Une fois dans l'ordre, j'ai eu peu d'occasions. Manque de colère. Pas encore. Bon, tellement du rêve.
que la fin des temps approche. Mais croyez-vous vraiment que Bélial et Asmodan pourraient avoir mis tout cela en bord? Si vous avez quelque chose à dire, Cool, dites-le clairement. C'est trop. Il y a trop de sous-entendus. Dis-moi qui. On va dire que c'est les anges. Cole ne peut tout simplement pas être tué. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Son sang est de sable. Et son rire nous narre. Il n'y a plus qu'une solution. Nous allons séparer sa tête de son corps et cacher celui-ci dans le royaume des ombres. Carrément, le mec s'est rendu immortel. Au calme. Ok. Bon bah... Ça va Léa, tout se passe bien. Oui, ça a l'air d'aller. Ce doit être le portail des ombres. Faisons ce que nous avons à faire. Les Oradrim m'ont mis tout cela en place pour enfermer mon corps. Il semblerait qu'ils aient été très en colère contre moi. J'avoue qu'ils sont donné les moyens. Ils ont toujours manqué d'imagination. Semblable que vous ne le croyez. Nous avons tous deux goûté au pouvoir des Néphalem. Faites alliance avec moi, et nous deviendrons les maîtres du monde.
Cool me raille à chacun de mes pas. J'essaie de l'ignorer, mais son bavardage est incessant. Il prend plaisir à me provoquer. Je ne mordrai pas à l'hameçon, je ne me mettrai pas à son niveau. Je me réjouis du silence qui régnera une fois que j'aurai caché sa tête. Ces créatures nous donneront du fil à pas. Nous avons réussi. Ouais. Rien n'arrête la croisade. N'ai pas assez de colère pour ça. Un peu de patience. Boucherie. C'est pas parfait. Non, non, il reste là. La lumière vous condamne. Je n'ai pas prêt. Il n'y a pas de soleil dans ce monde. Je le sens. Derrière ces murs règne la nuit éternelle. La colère s'amuse. Gloire à vous. Ok, niveau 68 atteint, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, il y avait rien. Ouais, c'est le monde des ondes, hein, donc. On a déjà pas mal looté, c'est bien. On a fait le. Level 68. Bon, c'est ok, tiers. C'est parti. J'ai le corps de Léa. Alors je vais lancer le rituel. Mais je vous préviens, Cool. Vous n'avez pas intérêt à nous jouer un sale tour. Cool, Raoul.
duplicité partout autour de vous, jeune fille. Je ne suis que le cadet de vos soucis. Ouais, c'est ça. Léa, concentrez-vous. Cela ne prendra plus très longtemps. Juste un instant. C'est presque... Oui. Déferle en moi. L'air fétide vient emplir mes poumons ravagés. Ah, géant. C'est ça, de rien. Et maintenant, donnez-nous la pierre d'âme. Très bien. Une promesse est une promesse. Vite, à mon sanctuaire. Il se la pète un peu trop. On sent tous... qu'il va vouloir nous baiser. Enfin, je vais achever la quête de toute une vie. La création tout entière tremblera devant mon pouvoir. Qu'est-ce donc ? Je ne sais comment c'est arrivé, mais les âmes du défunt seigneur des enfers ont été absorbées par la pierre. Abandonnez votre quête, Néphalem. Vos alliés ne cherchent qu'à vous manipuler. Grâce à la puissance que je vous offre aujourd'hui, vous et moi pourrions devenir les maîtres de la création. Il est trop tard pour conspirer, Cool. Donnez-moi la pierre. Je crois qu'il y avait un truc, fallait pas prendre de dégâts. Je suis sûr qu'il y a un truc à faire. Je suis plus dans des... C'est dans quoi ? Mais ça, j'avais déjà fait. D'accord. Héros redouté. Il manquera toujours des trucs. Qu'on n'a pas fini encore. Les sceaux protecteurs ont été franchis. Il semblerait que mes frères aient fini par décider de venir me chercher. Qu'il soit maudit! Je ne suis pas prêt. J'ai engagé trop de ma puissance dans la création de la pierre. Je dois la mener à bien. L'avenir de l'humanité en dépend. Cinq seigneurs infernaux sont maintenant emprisonnés dans la pierre. C'est vous qui avez fait ça, Adria. Il y a 20 ans, quand les ténèbres se sont abattues sur Tristram, Kane m'a parlé de la pierre d'âme sacrilège de Zoltun Kul.
C'est pour ça que tu m'as abandonné. T'es parti marquer les âmes des démons pour qu'elles puissent être aspirées dans la pierre d'âme. Oui, ma fille. J'ai tout sacrifié pour ça. Ah ouais, donc c'est elle en fait. Je retourne en ville. Ça allait plus vite, hein. J'ai de nouvelles marchandises toutes fraîches d'aujourd'hui. Regardez donc, vous me direz des nouvelles. Je ne savais pas à quoi m'attendre en retrouvant ma mère, mais certainement pas à ça. Elle n'est pas comme je l'imaginais. Je ne savais pas à quoi m'attendre en retrouvant ma mère, mais certainement pas à ça. Elle n'est pas comme je l'imaginais. Je vois le poids que sa mission fait peser sur elle, tout comme avec mon oncle. Merde, bah, il n'y avait que ça à dire. Super. Racontez-moi cette fois où vous avez modifié l'avenir. Il y avait une jeune fille qui taquinait la magie noire. Quand j'ai vu une possession démoniaque dans son avenir, elle m'a supplié de l'aider. Elle en avait déjà trop fait pour être à l'abri simplement en arrêtant ses bêtises. Alors j'ai accepté de lui confectionner un charme de protection. Malheureusement, le démon était déjà sorti des enfers. Comme il ne pouvait plus entrer en elle, par pure méchanceté, il s'en est pris à son père. Sous son emprise, le père a tué sa femme et son autre fille. Ensuite, le démon lui a montré ce qu'il avait fait, et il s'est suicidé. Aux dernières nouvelles, la jeune fille avait été placée dans un asile. Quelle tristesse. Et qui mente. J'ai réfléchi un peu plus à ce qui manque en moi. Et alors ? À mesure que nous avançons, tout semble devenir plus clair. C'est difficile à expliquer. Si nous allons de l'avant, peut-être que vous vous rappellerez d'autres choses. Oui, le sort qui m'a porté jusqu'à cette époque était lié au prophète. Maintenant qu'il a disparu, des parts de moi ont disparu avec lui, perdues dans le temps. Ne laissez aucune part de vous-même se perdre, Ayana. C'est tout ce que vous avez. Je peux tenter d'utiliser un sortilège, mais ça prendra du temps. Je ne suis pas aussi talentueuse que le prophète l'était. Ok, ça marche, merci. Ah, je pense que je me suis trompée sur ce joyau que je cherche. Il ne se trouve pas non plus dans cette région. Ah, c'est bien dommage. Pourquoi êtes-vous à la poursuite de ce joyau ? Parce qu'il a fait des milliers de morts. Et parce que je suis le seul qui puisse mettre la main dessus sans courir de danger. Parce qu'il est inoffensif pour les fous ? Non, parce qu'il m'a déjà pris tout ce qui comptait. Mais assez bavassé. Cela fait beaucoup trop longtemps que je n'ai pas mordu dans un bon morceau de bœuf aux épices arrosé de vin. L'heure est à la fête. Donc on piège Bélial et Asmodan dans la pierre d'âme. Et ensuite ? Ensuite, je la briserai. Et les seigneurs des enfers n'existeront plus. Tyrael, sincèrement, est-ce que tu crois à ces conneries ? À Tristram, Deckard Cain m'avait parlé d'une pierre d'âme noire taillée par un renégat Oradrim. Je n'y avais pas fait attention sur le moment, mais j'ai plus tard compris son importance. Je savais que les essences des cinq seigneurs des enfers étaient restées dans notre monde après leur mort. J'ai passé les 20 dernières années à trouver où elles reposaient et à les préparer à être absorbées par la pierre quand elle serait enfin achevée. Achevée ? La première tentative de Kul avait été interrompue. Mais maintenant que la pierre est enfin activée, les seigneurs des enfers ont été enfermés dedans. Il y a une chose que vous devez savoir. J'ai donné toute ma vie et quitté ma propre fille, la chair de ma chair, pour traquer Bélial et Asmodan. Ne remettez pas mon implication en cause. J'ai sacrifié plus que n'importe qui, et je sacrifierai plus encore avant que la fin n'arrive. Contrôler la pierre d'âme noire
sera périlleux. Aurez-vous besoin d'aide? Ce ne sera pas moi qui le ferai. Léa est la seule à pouvoir la dominer avec mes instructions. Son pouvoir est bien supérieur au mien. Grâce à lui, nous réussirons. Ça, c'est juste un... Ah, elle a disparu, non? Excusez-moi. Vous, venez donc un peu par là. J'ai des trucs pour vous. Et t'as rien... Bon, ok, je vous fais un prix. Et... charlatan. Nous devons parler à l'empereur. Il a dit qu'il pouvait nous mener à Bélial. Vous pensez vraiment pouvoir faire confiance à cet enfant? Nous n'avons pas le choix. Mais sachez-le, si Bélial est aux abois, il mettra Caldeum à feu et à sang. Alors avant de l'affronter, il faut évacuer les habitants. Les loups de fer pourront nous aider. Plus vite on commence, plus vite on en aura terminé. Ashera est déjà dans les égouts. Vite! Dépêchez-vous, on va vous protéger. Quand même, carrément, ce lieu va servir à quelque chose, hein. Le conseil du consortium des marchands a toujours été l'organe décisionnel principal de Caldeum. Mais il gagna encore en puissance après la chute des fils Jerei. Les membres du conseil sursaisirent l'opportunité que représentait la religion Zakharum en pleine expansion, et ils permirent aux fanatiques d'ériger Saldenkal, leur monumentale cathédrale, en plein cœur de la ville. Non content de son hégémonie commerciale et religieuse, le conseil du consortium des marchands aspira à faire également de Caldeum un haut lieu du savoir. Il proposa de réunir les académies de magie au sein d'un nouvel édifice, le sanctuaire des Ishari, qui reste encore à ce jour une référence en matière d'érudition et de progrès. Ces dernières années, au fur et à mesure de ce que l'on peut appeler l'invasion de la ville par les nobles de Kurast, le visage de Caldeum a connu une transformation radicale. Peu de temps après leur arrivée, ces nobles furent rejoints par leur empereur Akan Ier, qui fit de Caldeum sa capitale. Malgré l'apparente audace de ses actes, il réussit à apporter paix et prospérité à la ville tout au long de son règne. Le règne du nouvel empereur se déroulait paisiblement, jusqu'à ce que sa mort inopinée ne contraigne les prêtres de Zakharum à trouver un nouvel héritier au trône du Khéjistan. Par une série de rituels complexes, à n'en pas douter, une mise en scène censée impressionner leurs superstitieux adeptes, ils décidèrent que le successeur spirituel de Akan Ier serait un enfant miséreux venu des contrées du Nord. Une fois leurs rituels accomplis, les prêtres de l'église de Zakharum louèrent les services d'un groupe d'intrépides mercenaires, les loups de fer, pour ramener l'enfant. Ils le baptisèrent Akan II et l'assirent sur le trône malgré son jeune âge. Depuis ce jour, Caldeum n'a fait que décliner et nulle amélioration ne semble se profiler à l'horizon. Pas faux. Bélial a commencé le massacre. Quand les boules de feu se sont mises à tomber du ciel, nous avons commencé à évacuer les gens. Ici, ils seront à l'abri. Je vais ramener tout ce que je pourrai trouver. Et les loups de fer vous aideront jusqu'à la mort. J'ai vu des gens se réfugier sous des chariots. Amenez-les dans les... Nous ne pouvons pas risquer nos vies juste par héroïsme. Je n'aurais jamais cru que ça finirait comme ça. Qui a attiré ce châtiment sur nous ? Ah !
passe ? Vite, il faut protéger les gens des boules de feu. On n'a nulle part où se cacher. Qui a attiré ce châtiment sur nous ? On va être crevé. Vite, dans les égouts. Vite, aux portes. Il n'y a pas de temps à perdre. Allons-y. Intéressant tout ce signe. Utilise ton pouvoir pour détruire ces portes. Casse tout, Elia, casse tout. Écartez-vous, je ne le maîtrise pas encore complètement. Toute la puissance des enfers ne vous sauvera pas. Genoux devant les serviteurs de Belial. L'illusion de cet ensorceleur nous barre la route. Tuez-le. Je n'ai pas prêt. Il a cru que j'étais sa copine. Ah bah non. L'adversaire ne me dit rien qui vaille. Ils auraient dû s'enfuir quand ils... Recommence ! Je me sens si faible. Je sais pas si je pourrais. Tu dois le faire. Tout de suite ! C'est à vous de jouer. Faites vite. Je dois rester ici pour m'occuper de Léa. Loués soient les dieux, vous arrivez juste à temps. Montrez-moi la pierre d'âme. Allons, Belial. Le temps des mensonges est révolu. Mais oui. Quelle remarquable perspicacité. Mais n'oublie pas une chose, Néphalem. Asmodan connaît l'existence de la pierre, et il sait quel pouvoir elle renferme. Même si tu me bats, il viendra t'exterminer. Toi et tous les bâtards de ton espèce. Oh, oh, oh. Dis donc, tu parles mal. Okay.
puéril. Voilà. Du seigneur des enfers. Je crois que de tête. Concernant les boss, il y avait des choses à faire. Dans les défis plutôt, je crois. En moins de 2 minutes, j'ai mis un peu plus de temps. Sans contrôle de masse. Pourtant, j'ai pas fait de contrôle de masse, ça je comprends pas. Ouais, voilà. Tant pis. Ça rapporte rien, ça qui est chiant, quoi. Vite, Léa! Enferme l'âme de Bélial dans la pierre! Quelle douce ironie qu'un être aussi corrompu que Zoltun Kul ait pu jouer un si grand rôle dans notre histoire. Kul fut jadis un ennemi acharné des enfers. Il y a une leçon à tirer de son existence. Qui que nous soyons, plus longtemps nous nous dressons face au mal, plus il peut corrompre notre cœur. Non mais Léa va craquer, Léa, c'est pas possible. Je vois pas comment elle pourrait résister. Je dois rentrer. J'ai de nouvelles marchandises toutes fraîches d'aujourd'hui. Regardez donc, vous m'en direz des... Je savais que vous n'auriez pas de mal à vaincre Bélial. Je ne dirais pas que c'était facile. Oh, vous êtes bien trop modeste. Pour Asmodan, là, il va y avoir du sport. C'est quoi, il me manquait un livre. Ses habitants choisiront leur propre destin. Ashera sera là pour maintenir l'ordre. J'espère surtout qu'ils sauront reconstruire avec discernement. J'ai vu comment l'influence de Léoric et Diablo a causé la ruine de Tristram. Je ne souhaite pas ça à Calderon.
J'ai vendu tout ce que j'avais pour m'en sortir. J'apprécie tout ce que vous avez fait pour nous. Mais je dois m'en aller. Je n'ai jamais été chez moi à Caldeum. Ah, c'est des maquis. Ce n'était qu'une prison dorée. Et s'il faut que je périsse en chemin, au moins mourrai-je sous le ciel et face au monde qui s'étendra devant moi. Ah, c'était une main. Oh. La 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 la. Ah, bien. C'est mon bouclier. Que je pourrais voir cette pierre d'âme de près. Je n'ai encore jamais rien vu de semblable. Trop dangereux. Vous m'offensez. L'objet de mes recherches est tout aussi dangereux que cette pierre. De plus, mon expertise pourrait vous être utile. Après tout, je pense pouvoir me considérer comme une sommité en matière de pierres précieuses. Il n'a pas tort sur le principe. J'aime. D'autres souvenirs vous reviennent ? Oui, mais c'est encore flou. Avant, mes sœurs et moi n'étions que de simples servantes d'un grand seigneur Vizjoreil. Et il vous a appris à utiliser la magie ? Non. Un jour, j'ai commencé à lire certains de ses recueils de magie, par pure curiosité. J'ai ensuite appris quelques sortilèges à mes sœurs. Rien de plus que de petits tours, en fait. Ça nous a amusés quelque temps. Mais j'ai ensuite appris qu'il avait commencé à invoquer des démons. C'est un grand jour. Vous avez libéré cette contrée et abattu un seigneur des enfers. Savourez ce moment, car notre guerre reprend demain. Nous n'avons pas le temps de nous reposer. À chaque instant qui passe, Asmodan élabore ses plans pour nous détruire. Le seigneur du péché est fin tacticien. Il nous attaquera là où il pense que nous l'attendons le moins. Et là où une défaite briserait notre volonté de résister. Tu apprends bien, Léa. Maintenant, tu dois te rendre à la grande bibliothèque de Caldeum et poursuivre les travaux de ton oncle. Moi, je me fais... La caravane est prête à partir sur le champ. Tout ça est bien trop compliqué pour moi. Mais qu'est-ce qui m'échappe encore ? Oncle Descartes, aide-moi à voir. Thank you.
sont tombés dans ton piège. Mais pas moi. Je te défie. Je sais que la pierre d'âme noire est la clé. Et elle sera à moi. Bientôt, mes armées vont se déverser des ruines de la montagne. Elles vont ravager ce monde et tout espoir de survie. Mes serviteurs trouveront la pierre. Ou que tu choisisses de la cacher. Oui, et à la fin, Asmodan deviendra l'unique démon primordial. Léa, qu'y a-t-il? Que s'est-il passé? Ariadne, l'invasion des démons nous viendra d'Ariadne. Ah. Caldeum est débarrassé de Belial et de ses mensonges. Mais Asmodan est toujours là. Campé avec son armée dans le cratère d'Ariadne. Le vieux donjon de la Redoute est le dernier rempart pour le contenir. Je ne laisserai pas tomber cette valeureuse forteresse. Écoutez, c'est là-dessus que nous allons nous quitter pour ce soir. Passage avec te 3. Je vous souhaite à tous et... Pardon. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente nuit. À très bientôt. Ah, ciao, ciao.